Dans ISEG, il y a digital. Dans ISEG, il y a marketing. Dans ISEG, il y a communication. ISEG, la grande école du digital, du marketing et de la communication. Bonjour à tous et bienvenue au printemps de l'orientation organisé par l'ISEG Bordeaux, la grande école de communication, de marketing et du digital à Bordeaux, située en plein cœur du quartier des Chartrons, au sein d'un campus de 1500 m² dédié au numérique, au marketing et à la communication. Si vous envisagez de vous orienter vers les métiers du digital comme social media manager, de la communication comme consultant en communication d'influence ou du marketing comme chef de projet innovation par exemple, vous êtes au bon endroit. Pendant une heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances de l'ISEG Bordeaux grâce aux différents intervenants de l'école qui seront présents avec nous
en duplex et leur poser toutes vos questions sur le live Facebook et sur YouTube. Ce printemps de l'orientation commencera avec Carmen Brûlé-Sabadus, la directrice de l'ISEG Bordeaux, qui vous présentera notamment l'école et l'offre de formation de l'ISEG Bordeaux. Focus sur les formations et la méthode pédagogique de l'ISEG Bordeaux avec Stéphanie Duclos, responsable pédagogique, qui abordera notamment les projets que vous aurez à faire tout au long du cursus. L'international est aussi au cœur des cursus, avec pour en parler une étudiante en deuxième année de majeur international qui vous présentera son parcours et comment elle prépare aussi son semestre à l'étranger. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les métiers du marketing, de la communication et du digital. Nous recevons des intervenants de chacune de ces filières qui vous présenteront les différentes opportunités et répondront à toutes vos questions. Enfin, on accueillera Aline Ferré, la responsable des admissions de l'ISEG Bordeaux, qui reviendra avec vous sur les concours d'admission et les différentes modalités pour le réussir et répondra également à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le live Facebook et sur YouTube pour que les différents intervenants puissent y répondre en direct. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet en accueillant Carmen Brûlé-Sabadus, la directrice de l'ISEG Bordeaux. Bonjour Carmen. Bonjour à tous, je suis Carmen Brûlé-Sabadus, directrice de l'ISEG Bordeaux. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors Carmen, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette école, l'ISEG Bordeaux ? Oui, bien sûr. Donc juste deux mots avant de vous parler de l'ISEG. Je souhaitais vous dire que de la même manière que toute mon équipe, je viens moi aussi de l'entreprise parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc après un diplôme à Sciences Po Paris, j'ai travaillé 10 ans en tant que directrice marketing et communication dans plusieurs secteurs d'activité. D'abord, j'ai travaillé donc chez Danone dans le secteur de l'agroalimentaire sur l'eau des viandes et ensuite sur la marque Lait de Vache Bio. Ensuite chez Mercedes. Et pour terminer, j'ai travaillé dans le domaine du luxe, dans le groupe Louis Vuitton Moët&Cy. J'ai donc travaillé sur le cognac Hennessy. Donc voilà, j'ai un parcours d'entreprise et vous allez voir au fur et à mesure toute mon équipe, donc les personnes qui vont intervenir. On a toutes été des professionnels du marketing et de la communication. Ça nous semble très important. Donc, on revient maintenant à l'ISEG, puisque c'est l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Donc l'ISEG existe depuis une quarantaine d'années sur Bordeaux. L'ISEG fait partie du groupe IONIS, premier groupe d'enseignement privé en France indépendant. Le président fondateur est M. Marc Selam, c'est toujours aujourd'hui le président du groupe. Et le groupe IONIS compte environ 25 écoles dans tous les secteurs vraiment de formation. On passe par les ingénieurs, la communication, le marketing, le commerce et voilà, plein d'autres métiers. Donc ce qui veut dire tout simplement, je crois que la formation est notre métier. Donc, on existe sur Bordeaux depuis 40 ans, ce qui fait de nous l'école de marketing et de communication la plus ancienne sur la place de Bordeaux et également aujourd'hui la plus grande en termes d'étudiants accueillis sur le campus. Voilà, donc, à l'ISEG Bordeaux, on a aujourd'hui 500 étudiants et étudier à l'ISEG Bordeaux, c'est également l'ISEG, il y a deux autres écoles du groupe IONIS. Il y a Epitech, qui est une école d'ingénieurs, et il y a également IARTUP, une école de création numérique, et régulièrement, on fait travailler les étudiants ensemble, comme ils vont travailler demain en entreprise. Alors Carmen, quelles sont les typologies de formation qu'on peut retrouver à l'ISEG Bordeaux ? Alors, accessible sur concours, l'ISEG Bordeaux est vraiment une école en 5 ans post-bac. Donc, on délivre un diplôme de master, qui est donc un bac plus 5, certifié par l'État niveau 7. Et puis, à la sortie, à l'issue de l'ISEG, les étudiants sont cadres en entreprise. Et puis, on a également un diplôme intermédiaire, qui est le bachelor, qui est donc également un titre certifié par l'État niveau 6, donc qui est donc obtenu au bout de 3 ans d'études. Donc nous délivrons un bachelor en marketing, communication et digital. Et ensuite, au bout des MBA, il y en a aujourd'hui plusieurs, il y en a 6 à l'ISEG. Je ne rentre pas dans le détail, mais on va passer par le digital, le marketing, la communication, l'innovation, l'international, les relations. Presse, l'événementiel, voilà. Donc, on ouvre sur une palette de métiers extrêmement vaste.
justement sur ces domaines. Vous parliez du digital, c'est aussi des domaines en pleine vogue, hein, en pleine croissance. L'ISEG propose justement des formations qui sont aussi très professionnalisantes. Oui, oui, tout à fait. C'est très important pour nous. Vraiment, ça fait partie de notre ADN, comme je l'ai dit. On vient tous du monde de l'entreprise. On n'a pas été professeur avant, mais vraiment, on a pratiqué les métiers auxquels on forme au quotidien nos étudiants. Et puis, si je dois vous dire vraiment l'ADN de l'ISEG, ou alors nos valeurs, on est vraiment une école ancrée dans le monde professionnel. On travaille main dans la main avec les entreprises et les professionnels. Ce sont eux qui créent les métiers de demain. Ce sont eux qui nous disent comment il faut constamment, j'ai envie de dire, revoir les programmes et adapter pour former en fait les professionnels dont ils auront besoin demain, puisque c'est ça l'objectif, que les étudiants soient opérationnels demain en entreprise. Puis il y a également le fait que nous ayons une pédagogie axée vraiment sur l'action et sur le mode projet et le travail d'équipe, tout comme travail de main en entreprise, les professionnels du marketing et de la communication. Et puis dernièrement, comme je le disais, le fait qu'ils travaillent en synergie avec des étudiants d'autres écoles qui travaillent sur des projets mixtes, bien tout ça montre qu'à l'ISEG, on est vraiment un chef d'orchestre quand on fait du marketing et de la com, comme on est demain en entreprise. Donc, et puis ils ont devant eux, nos étudiants au quotidien, ils ont quasiment que des professionnels, donc des gens qui viennent partager leur expérience, leur savoir-faire, et puis ils viennent aussi bien sûr parler avec la voix de l'entreprise à nos étudiants. Voilà, c'est tout ça qui fait que demain, les étudiants, ils sont opérationnels à l'issue. Dernier argument, dernière chose que je voulais vous dire, sur les 5 ans à l'ISEG, les étudiants vont faire à peu près 2 ans de stage et 700 heures de projet. Donc vous voyez bien que ça fait une vraie première expérience professionnelle qui les aide à s'insérer professionnellement à l'issue de l'école, puisque c'est aussi ça l'objectif, ce n'est pas simplement de les former en tant que professionnels, c'est aussi leur donner les moyens demain de trouver un job qui puisse se faire, voilà, en accord avec leurs compétences. Très bien, merci beaucoup pour ces premiers éclairages, Carmen, donc sur l'ISEG Bordeaux. On va justement en aborder il y a quelques instants la thématique de la pédagogie, notamment de la pédagogie en mode projet, qui est aussi au cœur des formations proposées par l'ISEG. On va avoir dans quelques instants Stéphanie Duclos, la responsable pédagogique de l'ISEG Bordeaux, qui pourra répondre à toutes vos questions et notamment aborder la thématique des projets. Bonjour Stéphanie Duclos. Bonjour à tous, donc je suis Stéphanie Duclos, la responsable pédagogique de l'ISEG Bordeaux. Donc en introduction, je dirais que, comme le disait tout à l'heure Carmen, effectivement, toute l'équipe de l'ISEG Bordeaux est issue du monde de l'entreprise. Personnellement, donc je suis diplômée de l'ISEG Bordeaux promotion 2000 et depuis, j'ai développé une vingtaine d'années dans la communication, la gestion des ressources humaines, notamment dans les secteurs de la finance et de l'industrie aéronautique spatiale défense. Donc effectivement, on a tout pratiqué ces domaines, ces métiers, on sait de quoi on parle. Pour vous préciser un petit peu mon rôle aujourd'hui en tant que responsable pédagogique de l'ISEG Bordeaux, eh bien en quelques mots, donc je gère l'organisation, la planification des cours. Je gère également le recrutement des intervenants professionnels qui viennent dispenser nos cours et également le suivi pédagogique et parfois disciplinaire de nos étudiants en relation étroite, bien entendu, avec les parents. Pour, effectivement, dans la continuité de ce qu'évoquait Carmen à l'instant, pour vous synthétiser un petit peu ces 5 années au sein de l'ISEG. Donc, effectivement, on a un premier cycle bachelor, un premier cycle où nos étudiants vont, à partir du deuxième semestre de la première année, se positionner en fait pour développer leur talent au travers de ce bachelor, se positionner sur une majeure.
Majeure au nombre de trois, donc la majeure création, donc ce sera en partenariat avec notre école e-Artsup du groupe Ionis également, qui formera notamment au graphisme professionnel. Nous avons également la majeure digitale en partenariat avec l'école Epitech Expertise Informatique, où nos jeunes gens découvriront notamment le digital, tous ces outils ainsi que la programmation informatique pour être en mesure de développer par exemple un blog, un site internet. Et enfin, la majeure internationale, où à partir du deuxième semestre de la première année, tout au long de ce bachelor, ils auront un peu plus de 50% de leurs cours en anglais par des natifs. Voilà, donc les trois majeures, création, digitale et internationale. Internationale, je fais une petite passerelle en quelques mots, mais Célia expliquera beaucoup plus, de façon beaucoup plus développée tout à l'heure. Mais en quelques mots, sachez que chaque année, outre les stages, nos étudiants ont la possibilité de faire des immersions à l'international, notamment par exemple au terme de la première année, où nos étudiants ont la possibilité de participer en fin de première année à l'English Summer Session, qui leur permet de développer une aisance à l'oral en anglais à travers une pédagogie innovante, des ateliers ludiques, très très participatifs, avec 100% de natifs, l'English Summer Session en première année. Également, le deuxième semestre de la troisième année, tous nos étudiants ont la possibilité d'accéder aux sessions à l'international, notamment sur l'Europe. Nous proposons le deuxième semestre de la troisième année au sein de la Dublin Business School, également l'ICAD à Madrid, Corvinus à Budapest. Et puis pour les destinations américaines, on parlera de Berkeley, Irvine sur la côte californienne, et puis également le Barrow College à New York, ainsi que St. John's, et également l'université en Argentine à Buenos Aires. Voilà, donc tout un programme très opérationnel, très concret, avec effectivement pratiquement 2 ans d'expérience professionnelle sur les 5 ans, et chaque année également des immersions à l'international. Effectivement, donc un parcours orienté vers l'international, mais également aussi avec de nombreux projets. D'ailleurs, cette pédagogie en mode projet, c'est très important au sein de l'ISEG. Absolument. Comme le disait tout à l'heure Carmen, sur les 5 années, en fait, nos étudiants développent minimum 700 heures de mode projet. Donc notamment, il faut savoir que Ionis et par extension l'ISEG, nous existons ISEG Bordeaux depuis plus de 40 ans et nous avons été toujours dans cette pédagogie extrêmement professionnalisante, opérationnelle. On dit souvent à nos étudiants, on les considère non pas finalement comme des étudiants qui suivent des études pour obtenir notamment un bac plus 5, on les considère plutôt comme des professionnels en devenir qui apprennent chez nous un métier. Donc, c'est au travers, encore une fois, de cours très concrets, mais c'est également au travers de ce qu'on appelle des workshops. Il faut savoir que la matière, l'ISEG et le groupe Ionis, est véritablement précurseur dans cette pédagogie innovante sur les workshops. Les workshops, en fait, amènent nos étudiants à travailler pendant une semaine sur un sujet réel d'entreprise, sur une problématique market-com, digitale, confiée par des très grandes entreprises, des belles marques. Et nos jeunes gens sont en fait organisés en petite équipe de 5 étudiants. Et comme une agence, en mode start-up, ils doivent en fait répondre à une problématique réelle, un sujet réel d'entreprise, market-com, digital, pendant une semaine. Et ils ont une soutenance finale devant la fameuse entreprise, un jury professionnel et toute la promotion, 10 minutes pour convaincre. Notamment, on a eu l'honneur de travailler dernièrement pour Heineken, IKEA, Garnier, Opéra National de Bordeaux, etc. Donc, véritablement de très grandes marques. Et le point d'orgue, en fait, de ces semaines projets, de ces workshops qui ont lieu donc chaque année à plusieurs reprises dans l'année, c'est en troisième année la Project Week. Donc ça, il faut savoir que nous sommes la seule école en marketing communication digitale à proposer un tel challenge d'une telle envergure à échelle nationale qui rassemble 3 écoles du groupe Ionis, donc l'ISEG, e-Artsup
et Epitech, et qui rassemble donc plus de 1000 étudiants, 200 équipes qui travaillent sur un sujet réel d'entreprise. À chaque fois, on a l'honneur, le privilège de travailler pour de très, très belles marques. Et les étudiants s'organisent en équipes mixtes. Équipes mixtes, donc, des équipes constituées d'ICLiens sur le marketing, la communication, le digital, les camarades d'expertise informatique de l'Epitech pour nous faire part de leurs compétences en la matière, et puis enfin bénéficier de l'expertise des camarades d'IRTSUP formés au graphisme. Les étudiants travaillent donc ensemble pour répondre à un sujet réel d'entreprise. Les années précédentes, on a eu l'honneur, le privilège notamment de travailler pour Bouygues, Vente Privée, Sony Music France, France TV. Donc ça a été des challenges extrêmement importants. Et c'est vrai que c'est des rendez-vous qui sont très importants puisque, encore une fois, on forme nos étudiants au travers de ces exercices. On les projette tout simplement dans le futur exercice de leur fonction. Demain, ils travailleront en équipe pluridisciplinaire, et ils vont être amenés à échanger avec des professionnels dans d'autres métiers, informatique, graphiste, etc. Et bien, nous, dès la première année, on apprend à nos étudiants à travailler ensemble, de la première à la cinquième année, sur ce type de challenge. Justement, cette capacité aussi à pouvoir développer cette polyvalence et cet équilibre entre la formation théorique et la formation pratique avec ces projets, c'est un véritable passeport pour l'emploi pour vos futurs diplômés. On est bien d'accord. Effectivement, grâce à cette immersion permanente au sein de l'ISEG dans le monde de l'entreprise qu'on développe depuis 40 ans, c'est effectivement notre force et c'est ce qui fait la différence au niveau de notre formation, au travers de ces cours, encore une fois, qui sont extrêmement concrets, dispensés par des professionnels de haut niveau, experts en marketing, communication digitale, qui sont en activité aujourd'hui, qui nous font bénéficier à tous de leur veille dans ces domaines-là, au travers également de ces fameux workshops que j'évoquais précédemment, où là, pendant une semaine, ils sont en véritable immersion dans ce qu'ils vivront demain dans le monde de l'entreprise. Mais je pense également au projet de fin d'études qu'il mène sur la quatrième, la cinquième année. Chaque étudiant doit défendre en fait un concept innovant et effectivement présenter un jury de professionnels. Et enfin, je pense à l'Open ISEG, également un concours extrêmement innovant et d'ampleur. L'ISEG organise chaque année l'Open ISEG, fait appel à tous les porteurs de projets pour proposer en fait en solo ou en duo un projet qu'il souhaiterait défendre auprès d'un jury professionnel. Il faut savoir que depuis 10 ans, l'Open ISEG, cette grande compétition nationale ouverte à tous nos étudiants de la première à la cinquième année, mais également à nos diplômés, récompense en fait les 10 meilleurs projets de l'année avec de très beaux chèques quand même, de 2 000 à 10 000 euros, pour aider ensuite les 10 gagnants à pouvoir mettre en œuvre leur projet. Et effectivement, c'est vrai que c'est une formation extrêmement inspirante pour nos jeunes gens. Je parlais tout à l'heure qu'effectivement, à l'ISEG, en fait, on apprend un métier. Effectivement, toutes ces méthodes en fait pédagogiques convergent véritablement vers le fait qu'aujourd'hui, 90% de nos étudiants diplômés, au sortir de l'école, ont un poste sous 6 mois. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on est dans une pédagogie extrêmement concrète, opérationnelle, professionnalisante et également qui inspire énormément nos étudiants. Il faut savoir que de la première à la cinquième année, on a énormément d'esprits entrepreneurs, de jeunes gens qui travaillent de leur passion en marketing, en communication, digital, événementiel, très tôt, certains dès la première année et qui, au travers de leur expérience professionnelle au sein de l'ISEG, portent leurs projets. Je pense notamment à des jeunes gens comme par exemple Florian Bourdeau qui a créé le festival Bordeaux Open Air, en cofondateur du festival Bordeaux Open Air, qui effectivement est un des principaux festivals aujourd'hui d'été au niveau de Bordeaux. Je pense également à Thibaut Roric, qui a d'ailleurs gagné l'Open ISEG, qui a reçu un beau chèque de 6 000 euros dans le cadre de l'Open ISEG, et qui aujourd'hui a créé sa société Valiofit, et à 25 ans, il a déposé un brevet en impression 3D et gère à 25 ans une vingtaine d'étudiants.
Alors, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est sur une formation extrêmement professionnalisante, inspirante, qui forme les futurs professionnels de demain en marketing communication digitale. On va revenir un petit peu sur la Project Week. Cette année, on a eu l'honneur de travailler pour Nike. On a quelques questions. Tout d'abord, Stéphanie Duclos, si vous voulez bien, puisqu'on a beaucoup de questions qui tombent sur le live Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à poser vos questions. Quelques questions avant justement de voir cette très belle vidéo de la Project Week Nike. Une question qui nous est posée par Judith. Est-ce que c'est la même difficulté pour intégrer le campus de Bordeaux que celui de Paris ? Alors, je ne sais pas, puisque moi, je ne gère pas les admissions. Par contre, nous faisons partie, effectivement, notamment pour les entretiens de sélection. Bien sûr que nous sommes sélectifs, évidemment aussi parce que nous sommes sur des effectifs à taille humaine pour un meilleur suivi. On a des petites promotions de la première à la cinquième année. On intègre 70 étudiants maximum. Donc, bien entendu, on est sélectif sur dossier. On s'est aussi adapté pendant cette période de confinement, également sur entretien de motivation. Donc oui, nous sommes sélectifs. Vous dire par contre, si nous le sommes plus que Paris, c'est difficile. Mais encore une fois, voilà, on vous accueillera avec grand plaisir si vous souhaitez passer les épreuves de sélection à Bordeaux. Alors, est-ce que vous pouvez justement, vous en aviez un petit peu parlé, nous présenter cette Project Week Nike qui était aussi le cœur de ce cursus au cours de cette année ? Effectivement, la Project Week, c'est véritablement le point d'orgue, comme je vous le disais tout à l'heure, de ces fameux workshops de la première à la cinquième année où nous travaillons en fait avec trois écoles en équipe mixte, IArtsup, Epitech, ISEG. Et cette année, donc, on a eu la chance, l'honneur de travailler pour Nike sur une problématique, un sujet réel. Ils nous ont demandé de travailler sur une solution innovante pour Nike et c'était une compétition à échelle nationale rassemblant plus de 1000 étudiants, 200 équipes mixtes avec trois écoles et chaque équipe par campus, donc y compris Bordeaux. On a eu l'honneur en fait de défendre notre concept bordelais sur le showroom de Nike. Donc évidemment, ça a été une vraie chance de travailler pour Nike, un défi de taille parce que la problématique était complexe sur les tendances de l'innovation, mais surtout une réelle chance, une opportunité à la fois humaine et professionnelle extrêmement enrichissante pour nos étudiants. Donc retour en images sur cette Project Week Nike de cette année. Allez, on va donc regarder effectivement l'équipe gagnante de cette Project Week Nike qui va vous parler dans quelques instants de ce beau projet. La Project Week, c'est un événement qui va regrouper trois écoles donc, du groupe Ionis, où il y aura ISEG, Epitech et IArtsup, qui ont donc des compétences différentes et qui va permettre de créer un bon projet. L'annonceur en 2020 à l'ISEG Bordeaux, c'était Nike, et qui nous ont posé la problématique suivante, qui était comment inciter les jeunes filles de moins de 16 ans à faire du sport quotidiennement. Notre concept, c'est plus tu bouges, plus tu uses, plus t'es stylé. Pour cela, on a décidé de reprendre la Air Force One de chez Nike et de faire changer la virgule de couleur en fonction du nombre de pas réalisés. On a très vite su trouver un terrain d'entente, malgré le fait qu'on vient tous d'écoles et d'environnements différents. Mais au-delà de ça, on ne s'est pas jugé dans le groupe. Et je pense que c'est ça qui a créé une bonne entente. Et on tient particulièrement à remercier également les coachs qui nous ont beaucoup aidés durant cette semaine. Allez, de retour dans le printemps de l'orientation. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions, on les a notées. Dans quelques instants, Aline Ferrer, qui est la responsable des admissions, y répondra. Donc n'hésitez pas sur YouTube, sur Facebook, à nous poser vos questions. On va d'ailleurs avoir une étudiante qui va nous rejoindre dans quelques instants, Célia Fontan, qui est étudiante en deuxième année en majeure internationale. Bonjour Célia. Bonjour. Alors déjà, Célia, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots comment vous avez intégré l'ISEG et aujourd'hui, quel est votre quotidien au sein de l'ISEG Bordeaux ? Oui, pas de souci. Alors du coup, j'ai intégré l'ISEG dès ma sortie de bac. Donc, ça fait 2 ans que je suis étudiante à l'ISEG.
donc en majeur international, comme vous avez pu le dire. J'ai choisi l'ISEC parce que je cherchais une formation qui n'était pas que basée sur la théorie et qui était plus professionnalisante. Et j'ai été totalement l'ISEC qui correspondait à tous ces critères. Alors là, vous avez intégré l'ISEC Bordeaux. Vous êtes actuellement en deuxième année. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe concrètement? Oui, pas de souci. Alors je suis en deuxième année. Donc cette année, j'ai beaucoup de workshops, comme Stéphanie a pu l'expliquer juste avant. J'ai pu autant travailler le côté professionnalisant avec les workshops que la théorie grâce à mes cours. J'ai actuellement fini ma deuxième année au niveau théorique, on va dire, et en classe. Et là, je vais partir en stage puisqu'on a des stages obligatoires à la fin de chaque année. Donc, avec la situation actuelle, le stage est un peu différent des autres années. Il y a beaucoup de stages qui vont être en télétravail, mais ça nous apprend à s'adapter totalement aux possibilités qu'il y a dans le monde du travail. Alors, l'ISEG aussi vous accompagne dans cette période vraiment particulière du confinement? Totalement. Totalement. On a eu plusieurs réunions, puisque avec le problème actuel, beaucoup d'entreprises n'étaient pas forcément aptes à accueillir des étudiants. Donc l'ISEG nous a vraiment accompagnés dans la recherche de stages. Ils nous ont aussi accompagnés dans l'idée de faire du télétravail, puisque c'est nouveau pour nous. Même avant, en fait, cette idée de stage, on a eu des cours via Internet, en fait. On s'est totalement adapté à la situation. Les cours ne se sont pas arrêtés. On a eu nos cours qui se sont déroulés comme si on était, en fait, sur notre campus de Bordeaux. Alors, vous êtes en deuxième année, on l'a dit, en majeur international. L'année prochaine, vous allez devoir faire un choix important, c'est choisir une destination pour votre semestre à l'étranger. Comment vous abordez ce moment important de votre scolarité? Alors, c'est un moment qu'on attend beaucoup quand on est en majeur international. C'est un petit peu l'aboutissement, en fait, de ces trois années. Donc, on a un grand choix, en fait, sur les universités. On peut partir en Europe avec on a plusieurs universités en Europe. On a celle de Dublin, on a celle de Madrid, celle de Budapest. Et après, on peut partir aussi aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Moi, je vais plutôt partir sur les États-Unis parce que ça a toujours été un rêve, en fait, de vivre aux États-Unis. J'y suis jamais allée. Et je pense que faire mes études là-bas, ça serait vraiment une chance. Je suis plus tournée sur New York parce que ça reste aussi un petit rêve. L'enfance, on va dire, de vivre là-bas, mais Berkeley reste quand même aussi une grosse option sur ce choix-là. Et plus que les études, est-ce que vous projetez aussi faire une carrière à l'international? Totalement. Quand j'ai commencé mes études, en fait, je savais que travailler à l'international était quelque chose qui m'intéressait totalement. Donc, je suis partie sur la majeure internationale dans ce but-là, puisque presque tous mes cours sont en anglais. On apprend à travailler avec des personnes d'un peu partout dans le monde. Grâce à mes intervenants, on s'adapte aux cultures étrangères. Et je pense que, à la sortie de mes études, je me dirigerai vers une carrière internationale. Oui. Vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez faire plus tard, justement? Alors, je ne sais pas trop. En fait, grâce à mes stages que j'ai pu faire déjà avec l'ISEC, j'en ai déjà fait un à l'étranger en tant que community manager pour une agence de publicité. Donc, j'avais plusieurs clients. J'ai trouvé ça super de s'occuper des réseaux sociaux de toutes les entreprises de l'agence de pub. Maintenant, j'aimerais encore découvrir autre chose parce que je suis aussi très intéressée par l'événementiel puisque j'ai une association d'événementiel au sein de l'ISEC. Donc, j'ai pu développer aussi ce côté-là tout au long de ma scolarité. Donc, je pense que pour l'instant, je partirai plus sur une carrière d'événementiel à l'international, puisque étant jeune, je suis vraiment intéressée par tout ce qui est autour des événements, la création d'événements et tout ça. Alors Célia, on a une question qui nous est posée, vous allez peut-être pouvoir y répondre, vous qui êtes en deuxième année de majeur international, une question qui nous est posée par Philippine, est-ce qu'il existe des échanges Erasmus? Alors, non, il n'y a pas d'échange Erasmus. L'échange, en fait, ça va être
le semestre à l'étranger en troisième année. Donc, ce n'est pas un échange, c'est nous qui allons à l'université étrangère. C'est un peu sur le même principe. Hein. On va entre 3 et 4 mois dans une université étrangère parmi le choix que l'école nous propose. Donc, ça revient à peu près au même, sauf que ce n'est pas dans l'organisme Erasmus, mais c'est en fait un lien entre l'ISEG et les universités partenaires étrangères. En tout cas, pour ce témoignage, Célia, et bonne continuation à vous. On va reprendre dans quelques instants la directrice de l'ISEG Bordeaux, Carmen Brûlé-Sabadus. On a noté vos nombreuses questions qui affluent. N'hésitez pas à continuer. On va poser ces différentes questions aux différents intervenants qui sont concernés pour y répondre. On va retrouver Carmen Brûlé-Sabadus, donc la directrice de l'ISEG Bordeaux, qui est avec nous. Vous êtes de retour, Carmen ? Oui, je suis là. Alors Carmen, on a de nombreuses questions qui nous ont été posées. Peut-être une question tout d'abord pour commencer, une question de Judith. Est-ce que c'est la même difficulté pour intégrer le campus de Bordeaux que celui de Paris ? Alors, c'est une très bonne question. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'ISEG est présent dans 7 villes en France. Donc il y a Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Donc sur papier, nous avons de manière identique les mêmes épreuves de recrutement pour intégrer l'ISEG. Ce qui va changer bien évidemment, c'est l'humain, dans la mesure où le jury qui va vous recevoir l'entretien de motivation ne sera pas le même d'une ville à l'autre. Donc sur papier, nous avons les mêmes critères de recrutement. Après, c'est l'humain qui compte aussi, bien évidemment. Donc, donnez le meilleur de vous-même en entretien et il faudra convaincre le jury que vous aurez devant vous, que ce soit Bordeaux, Paris ou celui d'une autre ville. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'ISEG Bordeaux, nous sommes plutôt exigeants puisque, effectivement, nous sommes dans une ville qui est magnifique et l'ISEG Bordeaux est la première implantation régionale de l'ISEG, donc un campus très, très important pour le groupe ISEG au global. Alors Stéphanie Duclos, tout à l'heure, nous parlait de l'importance justement de vos formations qui vraiment amènent à la vie professionnelle et l'insertion professionnelle est vraiment quelque chose qui est important chez vous. Concrètement, concernant vos cursus, il y a des stages à faire et quels sont-ils ? Oui, donc effectivement, sur les 5 ans à l'ISEG, il va y avoir environ 2 ans de stage au global. L'expérience professionnelle démarre en première année et puis on y va crescendo. Donc, une vraie première expérience professionnelle qui rend les étudiants opérationnels, puisque 2 ans, c'est quand même déjà quelque chose d'assez costaud. Ça leur permet vraiment de s'intégrer professionnellement à la sortie. Alors, vous accompagnez justement vos étudiants dans la recherche du sésame, donc de l'entreprise qui les accepte en stage. Oui, bien sûr. Alors à l'ISEG, nous avons une responsable des relations entreprises dont vraiment la mission est d'accompagner les étudiants tout au long du cursus, de la première à la 5e année. Donc travailler dans un premier temps, bien évidemment, le CV, comment je décroche mon premier stage. Et puis après, ça devient de plus en plus professionnalisant. Et nous avons la chance vraiment d'avoir un campus et une école à taille humaine. Nous pouvons suivre individuellement nos étudiants. Nous pouvons proposer des rendez-vous individuels tout au long de leur scolarité. Et puis à l'ISEG, on propose également du coaching. Vraiment, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du programme, du cursus de la première à la 5e année. On propose également des séances donc, de coaching, comme je le disais, ou alors des training camps, c'est-à-dire des périodes courtes où il y a vraiment de manière intensive beaucoup, beaucoup de modules qui sont censés les aider, ainsi que job, des formes stages, trouver les stages, les jobs, alors l'alternance recherchée pour ceux qui veulent faire de l'alternance. Beaucoup d'étudiants s'interrogent justement sur les débouchés qu'il y a une fois diplômés. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces différents métiers auxquels prépare l'ISEG Bordeaux ? Bien sûr, avec plaisir. Donc l'ISEG forme en 5 ans les professionnels du marketing, de la com et du digital, bien évidemment. Alors là-dedans, une palette énorme de métiers, bien évidemment. Donc ils vont travailler vraiment d'une part en entreprise, chez l'annonceur. D'autre part, ils vont peut-être travailler en agence. Ou alors, ils vont être leur propre patron s'ils font le pari de l'entrepreneuriat en devenant donc chef d'entreprise. Alors sur les métiers, vous en avez évoqué un certain nombre lors du début de cet échange. Ils vont être produits pour ceux qui aiment l'innovation, qui aiment le produit, qui veulent être un chef d'orchestre. Ils vont être chef de publicité, chef de projet, ils vont être chef de projet événementiel, ils vont être
manager, ils vont être chargés d'études pour ceux qui ont une sensibilité sur les chiffres. Ils vont être peut-être innovation manager pour ceux qui souhaitent driver l'innovation au sein des entreprises. D'autres vont être acheteurs, d'autres vont être chefs de projet, responsables commerciaux. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers, mais tous liés à l'humain, très clairement, et au travail en équipe. Un réseau aussi d'entreprises et un réseau d'alumni. On sait que c'est très important d'avoir justement cette coopération entre vos anciens étudiants et vos jeunes diplômés pour les aider vers l'insertion professionnelle. Oui, bien évidemment. Je crois que c'est ce qui fait vraiment la force d'une école. C'est bien évidemment d'accompagner les étudiants qu'elle a chez elle, mais aussi les anciens, puisque c'est ça les alumni, ce sont nos anciens étudiants. Et à l'ISSEC Bordeaux, on a vraiment un lien très fort avec nos anciens étudiants, même des liens d'amitié. Et il y a un réseau d'anciens, donc tout ça est vraiment drivé par une association qui s'appelle l'association 2AI. Il y a aujourd'hui 20 000 adhérents à cette association. Et dès lors qu'un élève devient ICIEN, peut-être vous, dans un an, eh bien, ces 20 000 anciens sont déjà font déjà partie de votre réseau professionnel, puisqu'ils sont passés par là. Et ils savent qu'à un moment donné, ils vont un petit peu renvoyer l'ascenseur aux jeunes qui ont besoin d'aide et d'accompagnement à un moment donné. Voilà, donc ça, c'est très important, 20 000 anciens. Et puis, en plus de ce réseau-là, on a également le réseau du groupe IONIS, qui s'appelle IONIS Next, et qui est aujourd'hui 80 000 adhérents. Donc voilà, c'est aussi des gens auxquels on peut faire appel demain pour trouver un stage, une alternance ou alors un job. Alors vous parlez du groupe IONIS, Carmen. Est-ce qu'il existe aussi des admissions parallèles? C'est une question qui nous est posée par Annan sur Facebook. Oui, très bonne question. Donc effectivement, l'ISSEG est une école post-bac, donc la plupart des gens arrivent chez nous après avoir validé leur terminale, donc à l'obtention du bac. Mais on peut également intégrer l'ISSEG après un bac plus 2 ou alors après un bac plus 3, donc intégrer en troisième ou alors en quatrième année. De la même manière, ce qui sera très important, bien évidemment, c'est de comprendre qui vous êtes, quelles sont vos motivations et quelles sont vos valeurs dans la vie. Ce sera important pour nous de comprendre, puisque c'est aussi, comment dirais-je, on travaille vraiment avec l'être humain, c'est-à-dire avec vous, le candidat de demain. Donc il faut qu'il y ait un fit entre vous et les valeurs de l'ISSEG, puisqu'on travaillera ensemble main dans la main en vue de votre insertion professionnelle à l'issue de la formation. Voilà, donc c'est important que nous comprenions qui vous êtes. Et que nous ressentions beaucoup de motivation. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait possible d'intégrer l'ISSEG en admission parallèle. Carmen, est-ce que vous pouvez aussi nous parler d'un temps fort, justement, dans la préparation de l'insertion professionnelle, qui est le Carrière Meeting? Oui, bien sûr. Donc, tout au long du cursus à l'ISSEG, donc sur les 5 ans, il y a plusieurs temps forts. Bon, un temps fort qui revient plusieurs fois dans l'année, c'est le Career Meeting, qui est vraiment un moment où les entreprises vont venir au contact des étudiants au sein même de l'école. C'est une énorme opportunité pour nos ISSEGiens de rencontrer, de se tester vis-à-vis des entreprises. Donc, sur une journée, ils vont avoir peut-être 200 entreprises qui seront là. Donc, c'est un moment crucial dans leur parcours au sein de l'ISSEG. On va d'ailleurs voir en image dans quelques instants à quoi ressemble un Career Meeting, cet événement pour l'insertion professionnelle dont bénéficient les étudiants de l'ISSEG Bordeaux. Alors, le Career Meeting, c'est un grand rendez-vous qu'on organise plusieurs fois par an. L'objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises viennent au contact des étudiants dans l'enceinte même de l'école et que les étudiants puissent les rencontrer sur des créneaux de rendez-vous d'environ 15 minutes pour se vendre, mais aussi pour les entreprises de venir repérer aussi des profils qui seront certainement pris en stage dans les prochains mois, mais potentiellement aussi qui seront pris en stage dans les années futures sur d'autres opportunités. Donc c'est une vraie rencontre. C'est intéressant aussi parce qu'on met toujours en place des espaces conseils ou des services type, par exemple, prendre sa photo pour son CV avec un photographe professionnel. On met en place des conférences sur l'international pour aider les étudiants justement à connaître un petit peu les démarches administratives pour partir aux USA. On a eu aussi une personne pour l'Inde aujourd'hui.
Donc c'est un bon moyen de passer la barrière déjà de la sélection sur CV à distance, parce que là on passe directement l'entretien avec l'entreprise, et c'est aussi un moyen pour chaque étudiant de venir à la rencontre et de poser des questions aux différentes entreprises qui se sont déplacées pour eux, et puis comprendre un petit peu mieux leur secteur d'activité, comment est-ce que cela fonctionne et comment intégrer une entreprise de ce type. Du coup, le Career Meeting, c'est une opportunité pour les étudiants de venir rencontrer des professionnels directement intéressés pour des stagiaires en marketing ou communication. Et c'est un moment de se faire des contacts et de potentiellement pouvoir trouver un stage. Et ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises viennent de vraiment toute la région. Par exemple, moi j'ai eu 3 entretiens, dont une qui venait de Liège-Cap-Ferré, le club surf de la Presqu'île. J'ai eu Guetta Sound aussi, qui est basé à Bordeaux, et Vistalid, qui est aussi basé à Bordeaux, mais qui a des agences à Lille, Rennes et dans d'autres grandes villes de France. Donc c'est vraiment très intéressant parce que les offres sont variées, il y en a pour vraiment tous les goûts et tout type de postes. Bonjour, je m'appelle Quentin Dutot, je suis chef de projet chez Zenith Studio et ancien étudiant de l'ISSEC Bordeaux. Je viens aujourd'hui au Career Meeting pour trouver un stagiaire qui pourra me seconder en tant que chef de projet junior. J'ai été très agréablement surpris par les étudiants de l'ISSEG parce qu'au-delà de leur formation qui est très intéressante, ils avaient tous des projets personnels qui étaient passionnants et ils en parlaient avec les yeux qui brillaient. Donc voilà, c'était très agréable de les rencontrer. Et j'ai eu plein de CV, plein de beaux profils. J'espère qu'une de ces personnes conviendra. De retour dans le printemps de l'orientation organisé par l'ISSEC Bordeaux. On reste sur de très belles images de ce très bel événement, le Career Meeting. On va d'ailleurs entrer dans le vif du sujet en abordant maintenant le marketing et la communication. Et pour ce faire, on accueille Aude Werker, qui est intervenante dans la filière marketing, également directrice de l'agence Zest Marketing. Bonjour Aude. Bonjour, bonjour à tous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots tout d'abord sur votre rôle au sein de l'école et également votre fonction au sein de cette agence Zest Marketing ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Aude Werker. Je suis aujourd'hui consultante en marketing au sein de l'agence que j'ai créée il y a bientôt 8 ans. Je me nomme Zest Marketing, comme vous l'avez mentionné. Avant ça, j'ai, comme toutes les personnes de l'ISSEG qui ont eu l'occasion de vous parler jusqu'à maintenant, j'ai moi aussi navigué dans différents types d'entreprises, de la petite start-up à la grosse internationale, toujours dans le domaine du marketing. Avec voilà, des domaines d'activité un peu différents, les médias et notamment la radio, l'industrie du jeu vidéo ou encore des entreprises qui s'appuyaient sur des nouvelles tendances du web, comme le financement participatif par exemple. Du côté de l'ISSEG, ça fait 3 ans que j'interviens auprès des différentes promos d'étudiants de l'école, globalement toujours en marketing, avec évidemment des particularités en fonction des différentes années. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette notion de marketing qui est très vaste ? Oui, oui, et avec grand plaisir, parce que je pense que pour définir le marketing, il faut sortir un petit peu des définitions parfois alambiquées, j'ai envie de dire. On a l'impression que c'est quelque chose qui est compliqué ou qui est un peu flou. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir à la chose extrêmement simple. Le marketing, c'est l'ensemble des techniques, c'est-à-dire des outils, des actions pour pouvoir vendre un produit ou un service auprès d'une cible, donc d'une catégorie de population. Et est-ce que vous avez par exemple un exemple pratique, un projet sur lequel vos étudiants ont l'occasion d'intervenir et d'œuvrer ? Bien sûr, ça a été évoqué par Carmen et par Stéphanie tout à l'heure. C'est vrai que ça a été, comme vous l'avez évoqué vous-même, un temps très fort de l'année qui est en train de se terminer. C'est le cas de sur lequel les étudiants de l'ISSEG, mais aussi, comme ça a été dit, d'Epitech et d'IArtSup ont été amenés à travailler. Donc, typiquement, hein, si on fait un parallèle marketing et ce qui peut se passer chez Nike, l'équipe marketing, elle commence par analyser un marché, qu'est-ce qui se passe, puis les besoins de leurs clients,
Et puis, on réfléchit, on construit une stratégie pour pouvoir, pour le cas de Nike, atteindre une nouvelle cible. Marion l'a dit dans la vidéo, c'était les jeunes filles de moins de 16 ans. Donc, il fallait créer des arguments et, comme l'équipe gagnante l'a fait, pouvoir imaginer les produits spécifiques de la marque pour soutenir une stratégie. Alors, on comprend l'idée effectivement du marketing. Et quels sont les différents métiers qu'on peut retrouver au sein de ce secteur ? Alors, les métiers du marketing sont très variés. Et puis, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'ils ont surtout beaucoup évolué. Depuis que le web fait partie intégrante de nos vies, Gauthier vous en parlera un petit peu plus tard. Ce qui reste certain, c'est qu'il y a plusieurs types de fonctions marketing qui viennent un peu comme les pièces d'un puzzle s'imbriquer les unes dans les autres. On peut citer par exemple des responsables des études sur vraiment une partie chiffrée, des responsables marketing au sens général avec parfois une dominante marketing digital ou marketing opérationnel ou marketing direct. On peut avoir des chefs de produits, des chefs de projet, responsables innovation comme Carmen le disait tout à l'heure. Ce sont des dénominations qui sont vraiment très nombreuses, mais je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que ce marketeur, c'est le chef d'orchestre, c'est le chorégraphe d'une stratégie ou d'un plan d'action. Il doit faire en sorte en fait, que tout le monde joue bien la partition en même temps, les danseurs, sans s'en mêler les pinceaux, dans le but que les gens qui ont acheté ce spectacle, si je reste là-dessus, ils ont payé leur place, et ils obtiennent ce pour quoi ils ont payé. C'est la même chose en marketing. On orchestre, on organise, on est carrefour d'informations pour qu'au final, le client qui a acheté notre produit ou notre service soit content de son achat. Ce sont aussi des métiers où on est au cœur de l'entreprise, on est en synergie véritablement avec les autres métiers à l'intérieur de l'entreprise. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des métiers qui nécessitent de travailler en équipe. Une équipe marketing ne s'auto-suffit pas, un marketeur ne s'auto-suffit pas. On a besoin de travailler avec les équipes commerciales, bien sûr. On est très proche. Bien sûr, ça a été évoqué, il nous faut des développeurs en informatique, il nous faut des graphistes, il nous faut des gens de la communication. C'est d'ailleurs, ça a été évoqué, je le disais à l'instant sur Nike, c'est ce que nous sommes souvent amenés à faire à l'ISEG quand on travaille sur des projets communs où on fait converger les différentes compétences des différentes écoles. On met les étudiants dans les situations réelles de ce qui va les attendre par la suite. C'est une particularité de l'ISEG, d'être vraiment au plus près du terrain, au plus près de la réalité de ces métiers. Le marketing, c'est un métier que j'aime bien qualifier de vivant, ça bouge très vite. On ne fait plus du marketing aujourd'hui comme on le faisait avant l'an 2000. Et effectivement, les étudiants travaillent donc sur des cas réels. Certains ont été évoqués. Moi, je les ai accompagnés, par exemple, en travaillant pour Sony Music France, pour IKEA, pour France Télévisions Publicité. On a une problématique hyper intéressante qu'à titre professionnel, j'aimerais pouvoir traiter en plus de le faire en tant que coach pour les étudiants. Les étudiants sont donc coachés par des gens qui, comme moi, sont avant tout des professionnels, avant d'être des professeurs. Donc, on transmet ce qu'on vit dans notre quotidien. Et c'est ça qui fait que plus on avance, plus on a des gens qui sont opérationnels. On a tendance parfois, aussi souvent par ignorance, à confondre un peu communication, marketing, publicité. C'est bien des choses qui sont distinctes les uns des autres. Oui, oui. Et alors, vous levez là un lièvre. C'est quelque chose que j'explique assez souvent à mes étudiants, mais pour être sincère avec vous, à mes clients aussi. Parce que comme beaucoup de gens, on a tendance à confondre le marketing avec... on confond le marketing et la com ou le marketing et la pub. Tout ça, ça fait un gros mélange pas très net. Bien sûr, c'est que ce sont des domaines qui sont liés les uns aux autres. Moi, je l'exprime souvent comme les engrenages d'une même mécanique, d'une même machine qui a pour objectif de vendre un produit. Alors, très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours maintenant, c'est promis, mais il y a d'abord le marketing. Le marketing, il analyse des chiffres, il crée des arguments, c'est ce que je disais tout à l'heure, il construit une stratégie, ça c'est le premier engrenage, et puis on passe la main à la com.
La com va traduire cette stratégie en message, on va définir le ton, on va définir toutes ces composantes-là. La com va recommander un certain nombre de médias pour pouvoir porter ce message auprès de la bonne cible. Et puis la com va passer la main, c'est l'engrenage suivant, pub. Là, on est vraiment sur la création du spot que vous allez retrouver en télé ou en radio. On est sur l'affiche que vous allez retrouver dans les rues de votre ville ou évidemment l'ensemble des formats publicitaires que vous trouvez sur le web. Et puis, dernier engrenage, eh bien, ce sont les médias recommandés par la com qui vont se charger de diffuser ce message jusqu'à vos yeux et jusqu'à vos oreilles. Que si tout va bien, la prochaine fois que vous êtes en magasin, et que ce soit vers mon produit, plutôt celui de vos concurrents, que vous ayez envie de vous diriger. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment juste des engrenages, et le premier fait tourner le deuxième, qui fait tourner le troisième. Donc voilà, j'espère que ça clarifie un peu. En tout cas, petite requête, hein, j'en profite. La prochaine fois, chers tous qui nous regardez, que vous êtes confrontés à une publicité à la télé qui vous sort par les yeux, qui vous agace, pitié, ne blâmez pas le marketing. Effectivement, on y pensera. Aude, pour visualiser justement à quoi ressemble concrètement votre métier, à quoi ressemble une journée type chez vous ? Alors, comme vous l'avez compris, moi, je suis à la création de mon activité, de mon agence. Donc, dans mon métier, il n'y a pas vraiment une journée type. Mais on va dire, c'est ça qui me plaît. Et je pense que c'est malgré tout quelque chose qui se retrouve hein, dans l'ensemble des métiers du marketing. C'est rare qu'il y ait une journée qui ressemble exactement à une autre. Pour vous parler de mes journées, je peux par exemple vous dire en ce moment que je travaille avec une entreprise qui est un pure player, donc présent que sur Internet, hein, pas de magasin physique, et qui cherche à se déployer, à s'étendre. Pour une entreprise qui travaille sur la région Aquitaine avec des produits locaux, et dans quelques mois, on pourra la retrouver sur le territoire national avec des produits de la région. Donc, il s'agit de l'ensemble de la stratégie sur l'identité de marque, par exemple, son positionnement, mais aussi ce que sera sa stratégie de lancement. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je peux vous citer, c'est tout frais puisque c'est lié vraiment à la situation de confinement qu'on a vécu tous ces 8 dernières semaines. J'ai une cliente qui a eu une idée géniale et elle veut lancer une toute nouvelle activité. Donc là vraiment, on est dans du marketing stratégique, hein. Il va falloir commencer par étudier avec le marché, la concurrence, et puis on va construire sa stratégie de prix, par exemple, ses partenariats, la manière dont elle va vendre ses produits, ça s'appelle la distribution, etc. Et puis, quand j'aurai fait tout ça, et comme je vous le disais auparavant avec mes engrenages, si vous me suivez, eh bien, je ferai probablement appel à quelqu'un de la com. Merci beaucoup, Aude Verker, donc pour ces explications sur la partie marketing. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu, vous qui nous regardez. On va maintenant passer au digital avec Gauthier Depierre, qui est intervenant à l'ISEG sur cette partie digitale, qui va pouvoir justement vous donner des éclaircissements complémentaires, comme a pu vous le faire Aude sur la partie marketing. Gauthier Depierre, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que Gauthier Depierre est avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc vous êtes intervenant à l'ISEG en marketing et plus particulièrement en digital. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et quel est votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous tout d'abord et merci de m'accueillir encore une fois. Donc, Gauthier Depierre, je suis consultant en stratégie indépendante depuis maintenant 3 ans donc sur Bordeaux. Mais il faut savoir que je ne suis pas bordelais de base. J'ai commencé les études aux alentours de 2012. Je suis arrivé à Bordeaux avec en tête à mon printemps de l'orientation, si j'ose dire, avec en tête la possibilité, en tout cas l'envie, de partir à l'étranger assez rapidement pour construire mes expériences et pour pouvoir travailler et même étudier à l'étranger assez rapidement. Donc, je me suis orienté vers une école de commerce à Bordeaux, dans laquelle je ne suis pas resté très longtemps. Au bout d'un an et demi à Bordeaux, je suis parti directement en Espagne pour commencer une licence en marketing. C'est là où j'ai découvert donc le grand mot dont Aude vous parlait juste auparavant. Et après cette licence en marketing, j'ai eu l'occasion d'entrer dans le monde du travail à l'étranger, toujours. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, je suis parti en Amérique latine. On vous parlait tout à l'heure de Buenos Aires avec une université partenaire. J'ai eu l'occasion d'aller travailler, faire mon premier stage à Buenos Aires où j'ai pu lancer une petite marque de skateboard assez intéressante dans le marché à cette époque. Après ces premières expériences assez riches, je suis revenu en Europe.
Je suis revenu en Europe pour une deuxième expérience professionnelle, et là encore, ça résonne avec ce que vous avez pu évoquer auparavant. J'ai travaillé chez Nike au sein de l'endroit chez Nike où toutes les opérations européennes sont gérées, donc c'est à Amsterdam, où j'ai pu être, disons, en place pour gérer toutes les communications internes et externes du département. Donc une véritable expérience très enrichissante, peut-être ma première vraie expérience, disons, dans une grande entreprise. Et par la suite, j'ai terminé mes études par deux derniers masters, un double master en management, un venant de l'université anglaise de Hull, dans le nord de l'Angleterre, et un dernier donc de mon université d'origine de Bordeaux, pour conclure ces années d'études. Donc depuis ces diplomations et ce parcours assez riche, j'ai décidé de revenir en France et j'ai décidé de me placer en tant qu'indépendant et consultant en stratégie, notamment, c'est un de mes rôles à Bordeaux. Donc voilà. Alors vous enseignez aujourd'hui le marketing digital au sein de l'ISEG. Vous pouvez nous dire d'ailleurs qu'est-ce qui regroupe cette notion de marketing digital? Oui, alors disons que le marketing et le digital sont deux notions qui sont très larges. Aude a pu vous exprimer ce que pouvait être le marketing selon sa vision que je partage majoritairement, hein. Mais la vision du marketing peut être diverse en fonction de l'entreprise et de l'axe qui est voulu en fait par l'entreprise. Donc tout simplement, je dirais que le marketing, c'est, pour faire vraiment simple en quatre mots, c'est parti. Une entreprise qui a, ou toute autre association d'ailleurs, hein, il faut pas les oublier, ou tout autre projet qui a un produit ou un service à apporter au consommateur. Et ce parti est complété par un pour qui, justement ce consommateur qu'on a besoin d'analyser pour bien comprendre ses besoins, qui peuvent être des besoins, disons, qu'on peut voir directement, ou des besoins un petit peu plus cachés. Dans tous les cas, le marketing, pour moi, se conçoit entre par qui et pour qui. Et quand on parle du digital, c'est une notion tout aussi large, mais c'est une notion qui est mêlée au marketing. Le digital est un des outils du marketing. On peut le définir comme un ensemble d'expériences qui se passent entre un émetteur et un receveur, si on voulait faire simple. Donc ça peut être un ensemble d'expériences d'interaction entre deux humains à travers un outil digital, entre deux objets également. Donc cette notion du digital, disons qu'elle est très large, et aujourd'hui on a différents angles pour l'attaquer, tout simplement en fonction de la position de notre entreprise, de sa vision stratégique, ou même de sa position concurrentielle tout simplement, et de ses envies du moment. Donc si je reprends un petit peu l'exemple qui a pu être donné jusqu'ici de la Project Quick avec Nike, il faut vraiment concevoir l'univers digital de Nike comme un écosystème très complet. Les étudiants de l'ISEG ont eu l'occasion de jouer avec les différents canaux de cet écosystème pour amener à bien leur projet. Mais si on prend l'exemple de Nike aujourd'hui, c'est un site e-commerce, c'est aussi tout un univers d'applications qui sont discriminées en fonction des usages. Donc les applications sportives, on connaît Nike Run, les applications plutôt commerciales avec l'application officielle du site, mais aussi les applications plus dédiées à des fans de basket ou des choses comme ça. On a tout ce qui est les interactions dans les magasins directement qui sont intéressantes pour aller commander un produit avec un vendeur en magasin. Et on a tout ce qui tourne autour également des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, hein, pour ne citer que, avec une très forte progression de TikTok au cours des dernières années. Donc si on devait conclure, le digital, c'est primordial pour toute entreprise. C'est un axe qui est absolument fondamental à être développé, mais il n'est pas forcément toujours facile de l'aborder dans le bon angle, avec une bonne solution, et il faut toujours s'assurer en fait que ce digital est utilisé à bon escient. Toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'utiliser tout l'univers digital qu'utilise par exemple Nike, comme j'ai cité avant. Il faut savoir trouver le plus adapté à son consommateur. Encore une fois, c'est le par qui, pour qui est primordial. Voilà, pour une définition. Gauthier, quels sont les métiers qu'on retrouve derrière cette appellation de digital ?
Alors, ils sont encore une fois très divers, mais il y a des points communs quand même. Il faut savoir qu'il y a une trame, un fil conducteur au sein de l'ensemble des métiers du digital. Disons qu'ils sont aussi variés qu'il y a de définition de la notion, mais le point de départ, c'est la bonne compréhension de ce qu'on a appelé les écosystèmes digitaux, comme celui de Nike justement que je viens de présenter. Il s'agit en fait pour les marques de prendre beaucoup de recul sur les différents outils qui sont à leur disposition. Donc le marketing peut nous recommander des outils qui sont plus stratégiques à sortir à un moment donné plutôt qu'à un autre. Et à partir de là, une fois qu'on a cette vision globale de ces écosystèmes, on va se spécialiser dans un canal plutôt qu'un autre. Donc finalement, il faut plutôt aller chercher des images pour bien comprendre les métiers du digital. Mais aujourd'hui, une image très concrète que tout le monde connaît, je pense que vous pourrez le confirmer, c'est le fait de pouvoir rechercher un produit sur Internet et de retrouver des publicités, par exemple sur Facebook ou Instagram, par la suite de cette même marque ou de ce même produit qui a été recherché. Pour qu'une interaction de la sorte fonctionne et s'automatise au niveau global pour une marque, il y a besoin de plusieurs métiers du digital, il y a besoin de plusieurs compétences afin que cela se mette en place, malgré le fait que ça paraisse très simple sur le moment et que ça paraisse quelque chose de très répandu. Donc on peut en citer les développeurs web, forcément, les intégrateurs web qui sont plutôt du côté technique et mise en place de l'expérience sur le web, les UX designers, ceux qui sont plutôt à penser l'expérience qui est à donner sur le site ou sur une application par exemple, une expérience qui doit être fluide, qui doit aller vite, qui doit répondre à la demande. On a aussi tout ce qui touche à la création artistique, la direction artistique et au design. Le design pour le web, c'est une spécification, c'est pas la même chose que le design pour les affiches, par exemple, qu'on pouvait retrouver dans la rue, pour une campagne de communication plus classique. Et on a aussi tout ce qui touche tout simplement à notre présence sur le digital. On peut citer notamment tout ce qui est responsable SEO, donc en rapport au référencement des sites web par rapport à des mots-clés qui peuvent être recherchés par des utilisateurs. On a aussi tout ce qui est community management, que ce soit sur Facebook, Instagram, plusieurs canaux en même temps, que ce soit par mail aussi, qui est toujours un canal très intéressant et de développement. Donc ces métiers sont divers et variés et ils sont tous un petit peu liés. Disons qu'on part tous du même point avant de se spécialiser en fonction de nos expériences. Alors, ce sont des métiers qui sont très récents pour la plupart d'entre eux, qui sont développés avec le numérique. Est-ce que vous pensez aussi que dans les prochaines années, il y a de nouveaux métiers en lien avec le digital qui vont être aussi appelés à naître? Alors oui, alors personnellement j'en suis convaincu. Après on a tous nos visions personnelles aussi dans ces corps de métier, c'est normal. C'est le digital, alors c'est en constante évolution. Ça a évolué de manière exponentielle et de manière très rapide au cours des 30, 40, on peut remonter jusqu'à 50 dernières années avec l'apparition des simples télécoms ou même la radio si on va un petit peu plus loin. Donc tout part de quelque chose qui s'est développé très vite et donc les métiers qui sont liés à ça se développent également très vite et ils s'en créent tous les jours. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est aussi beaucoup de travail, c'est une très bonne nouvelle pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a un pied dans le digital, on peut facilement évoluer et les champs d'évolution sont énormes, denses, et on ne connaît pas ceux qui seront présents demain. Et dans un autre côté, peut-être un petit peu plus compliqué, c'est le fait qu'on doit constamment se renouveler quand on travaille dans l'univers du digital, on doit constamment savoir apprendre ce qui est nouveau, parce que ce qui est nouveau sort tous les jours. Donc pour donner un exemple, ou une image plutôt, les métiers du digital, c'est un grand arbre généalogique, c'est une jeune famille qui est en plein développement et qui développe aujourd'hui énormément de branches différentes et variées de son métier en fonction des nouveaux besoins et des nouvelles opportunités qui s'affichent. Donc demain, si on prend l'exemple d'une application, vous voulez lancer une application, ça peut être des idées parmi nos auditeurs. Certains métiers seront nécessaires, des métiers auxquels vous ne pensez pas, forcément en premier lieu, et il s'agit de pouvoir intégrer en fait votre équipe, il s'agit de pouvoir condenser votre équipe avec ces métiers, et vous avez notamment un avantage avec le groupe Ionis d'avoir justement ces trois différentes écoles avec trois disons grands corps de métiers qui sont liés au sein de ces écoles. Le fait de pouvoir interagir entre ISEG, Epitech et IARTSUP ouvre aussi les possibilités et les opportunités de réseau et de collaborateurs que vous pourrez avoir demain.
Donc, bon, tout ça, c'est un petit peu dense, hein, c'est beaucoup d'informations, je l'admets. C'est, vous voyez, un univers qui est en constante transformation, mais on peut isoler deux grands groupes qui sont eux aussi en pleine évolution. On a ce qu'on peut appeler tout ce qui est front-end, donc c'est tout simplement ce que l'utilisateur final voit. C'est l'expérience qu'il peut expérimenter avec des métiers comme le community management, les métiers de UX, user experience et UI, user interface designer, donc des designers d'expérience tout simplement sur le web, le graphiste, directeur artistique. Et on a l'autre catégorie qui est le back-end, qui est que l'utilisateur final ne voit pas, mais tout ce qui correspond à la technique pour mettre l'expérience en place. Et on peut avoir des analystes de données, tout ce qui est lié au big data, tout ce qui est lié au développement, à l'intégration web, au management de trafic. Et encore une fois, ces métiers sont constants, se réinventent constamment. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas également à partager ce live auprès de vos amis s'ils sont intéressés par ces thématiques du digital, du marketing, de la communication. Gauthier, en quelques mots, avant de vous laisser, est-ce que vous recommandez aussi aux étudiants d'être vraiment polyvalents quand on veut se lancer dans ce métier du digital ? Alors oui, c'est un grand oui. Il faut toucher à tout, il faut être curieux. Tout maîtriser est impossible, tout maîtriser est trop compliqué, il y a beaucoup trop d'informations à agréger. Mais on peut savoir, en fait, être curieux sur les différents outils qui sortent, essayer de les pratiquer, comprendre comment ils fonctionnent pour au moins pouvoir collaborer avec les personnes qui sont spécialistes demain. Donc effectivement, être polyvalent, c'est un trait de caractère pour travailler dans le digital qui est très important, mais il y en a un qui est encore plus important derrière tout ça, c'est le fait d'être rigoureux. On ne le dirait pas de prime abord, mais c'est un raisonnement logique, c'est avoir de l'empathie envers les utilisateurs et avoir de la rigueur dans nos procédés qui mènent une expérience digitale à bon port, disons. Merci beaucoup Gauthier pour tous ces éclaircissements donc concernant le digital. On a vraiment pu apprendre beaucoup de choses avec votre témoignage. On va retrouver dans quelques instants Clarisse, qui est une ancienne de l'ISEG de la promo 2019, qui va aborder avec nous l'ensemble des thématiques en lien avec la communication. Clarisse, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui. Bonjour Clarisse et merci de rejoindre donc ce printemps de l'orientation organisé par l'ISEG Bordeaux. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Clarisse Meunier, moi je suis d'origine cognassaise. Je suis arrivée à Bordeaux pour le début de mes études. Donc, j'ai d'abord commencé par faire une mise à niveau en art appliqué, ce qui m'a permis en fait d'acquérir une compétence en plus qui me permet aujourd'hui de pouvoir accepter des projets graphiques, parce que voilà, je peux avoir une petite touche de graphiste en plus de ma casquette de communicante. Donc voilà, j'ai fait mes 5 années à l'ISEG et je suis diplômée depuis l'année dernière donc d'un master en brand marketing management. J'ai travaillé pendant un an et demi dans une agence de communication à Royan. Je suis revenue à Bordeaux où j'ai travaillé au sein du Bordeaux Open Air, notamment avec Gauthier et Florian. Et depuis peu, donc, je me suis lancée à mon compte. Voilà, je suis auto-entrepreneuse. Alors Clarisse, vous qui êtes donc une jeune diplômée de l'ISEG, vous avez suivi cette filière communication. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, pas de souci. Alors la communication, avec des mots simples, en fait, ça se définit comme un ensemble de moyens techniques qui permettent de communiquer. Et donc communiquer, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement informer des personnes, qu'on appelle nous des cibles, donc, c'est-à-dire une catégorie de personnes qui est susceptible d'acheter notre produit en leur transmettant tout simplement un message ou un contenu. Donc pour les marques, en fait, communiquer, ça sert à tout simplement se faire connaître, générer une bonne image, mais aussi mettre en avant ses produits et ses valeurs. Donc, on nous parlait notamment de cet exemple de cette Project Week avec Nike. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot justement comment on applique à une entreprise comme Nike une stratégie de communication ? Oui, bien sûr. Alors, si on prend l'exemple qui a été évoqué donc par Aude, par Gauthier sur la Project Week de Nike, tout simplement, une fois que les étudiants ont analysé la problématique, ont analysé le marché et qu'ils ont créé, on va dire, leur concept ou créé leur produit, imaginez donc toute la partie marketing qu'évoquait Aude auparavant, ensuite, derrière, il faut pouvoir communiquer sur ce produit et ce concept auprès de la cible, donc qui étaient donc les jeunes filles de moins de 16 ans. Et plus concrètement, donc si on prend l'exemple
tout simplement qu'à sortir Nike, qui a sorti une campagne de communication justement sur ce sujet-là. C'est un petit film d'une minute trente qui s'appelle Your It, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et c'est une vidéo qui donne la parole à des jeunes filles d'âge différent, qui sont toutes jeunes, donc aux alentours de 16 ans. Dans cette vidéo, on voit des jeunes filles qui évoquent les a priori et les peurs qu'elles ressentent en faisant du sport. Et c'est en fait en partageant tous ces sentiments qu'elles ont entre elles qu'elles se donnent la force de les surmonter. Donc en fait, c'est un message qui va être impactant pour les jeunes filles qui, elles, auraient peur aussi de faire du sport. Elles voient d'autres jeunes filles qui se mettent en scène avec différents sports, parce qu'il y a eu une déclinaison forcément sur plusieurs sports pour ne pas ne cibler que, par exemple, les jeunes filles qui vont aimer le foot ou les jeunes filles qui vont aimer la danse. Et voilà, qui leur transmet un message impactant en leur disant « si nous, on peut le faire, vous aussi, vous pouvez le faire ». Et donc, stratégiquement, ça a été diffusé sur différents canaux, notamment la télé et le web, pour cibler vraiment les jeunes filles de cet âge-là qui utilisent ces canaux de communication-là. On visualise bien les enjeux. On connaît un petit peu moins, par contre, les métiers qu'il y a derrière ce secteur de la communication. Vous pouvez nous en parler ? Oui, pas de souci. La communication, c'est un métier très large qui offre, on va dire, plusieurs sous-métiers qui sont assez riches et qui se complètent. Par exemple, vous avez le responsable de communication qui, lui, va définir toute la stratégie de communication de l'entreprise à suivre. Il va créer les outils de communication, toutes les actions qui vont se dérouler au sein de l'année. On va avoir le chargé de projet événementiel qui, lui, va plutôt créer en fait un événement, que ce soit un cocktail, un gala, un séminaire, enfin, tout type d'événement, et qui va l'organiser de A à Z et créer tous les supports qui vont être liés à cet événement-là. On peut avoir également un responsable des relations entreprises presse, c'est le côté ISEG qui prend le dessus. Donc le responsable des relations presse qui, lui, est en charge de la bonne image en fait de l'entreprise auprès des journalistes. Donc il va développer des relations avec ceux-ci et développer des partenariats, être en lien avec tout ce qui va être la presse. Et les journalistes. Alors, quelles sont les compétences requises pour être un bon communicant ? Alors, pour tous ces types de métiers-là et pour être un bon communicant, bien sûr, il y a des compétences qui se regroupent. On va avoir notamment avoir un bon relationnel, parce que forcément, communiquer, c'est faire passer un message aux gens, donc il faut savoir leur parler, bien s'exprimer. Avec les bons mots et la bonne tonalité. Aussi une bonne capacité rédactionnelle, parce que la communication ne passe pas que par l'oral, mais aussi par l'écrit. De la créativité, tirer des sentiers battus, trouver toujours les petites idées originales pour pouvoir communiquer un peu de façon différente de ses concurrents. Bien sûr, de l'organisation et de la rigueur. Toutes ces compétences-là sont regroupées. Après, forcément, selon le métier qu'on va choisir, les métiers que j'évoquais auparavant, par exemple, on peut avoir des petites différences de compétences. Si on est plus à l'aise, forcément, à avoir un bon relationnel à l'écrit, on va plus se diriger vers un métier de responsable de relations presse. Si on est plus à l'aise avec l'organisation, la rigueur, peut-être que le chef de projet événementiel est plutôt fait pour nous. Après, on s'adapte selon nos préférences et les compétences qui nous conviennent le mieux. Avant de vous laisser, je vais vous poser la question que j'ai déjà posée pour le marketing et le digital. À quoi ressemble une journée type chez un communicant ? Eh bien, je vais vous répondre exactement de la même manière qu'Aude et Gauthier. Il n'y a pas vraiment de journée type, si ce n'est que toutes les journées, on va se retrouver tous les matins à regarder ses mails, bien évidemment. Moi, c'est la première chose que je fais, et organiser sa journée en fonction de ses projets. Tout simplement. Alors, moi, pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui, je profite du confinement et du calme un peu. Des projets pour avancer sur un projet personnel qui reste un petit peu secret pour l'instant, mais j'ai des petits projets en plus que je suis en train de développer. Très bien, merci beaucoup Clarisse pour tout ce témoignage sur ces métiers de la communication. Si vous avez envie justement de rejoindre les pas de Clarisse dans la communication, n'hésitez pas à rejoindre cette filière communication de l'ISEG Bordeaux. Dans quelques instants, on va retrouver Célia, qui est l'étudiante en deuxième année en majeure internationale qu'on a eue il y a quelques instants, et qui va aborder un thème qui est aussi très important pour vous. Célia, vous êtes de retour avec nous ? Oui. Alors Célia, on va maintenant aborder un thème qui est aussi important, ça fait aussi partie des études ce thème, c'est l'ambiance sur le campus. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça se passe dans cette très belle ville qu'est Bordeaux au sein du campus de l'ISEG ? Alors au sein du campus de l'ISEG, on a une vie étudiante et de campus très active. Donc
On a un BDE en fait sur le campus de Bordeaux qui va nous organiser des événements tout au long de l'année. Un BDE très actif qui va organiser le week-end d'intégration en tout début d'année, le gala de Noël au niveau de la période d'hiver. On a un gala de fin d'année. On a plein en fait d'événements qui vont venir rendre la vie de campus très agréable, on va dire. Une question qui nous est posée par Antoine sur les réseaux sociaux qui nous demande est-ce qu'il y a une bonne vie associative au sein de l'ISSEC Bordeaux ? Totalement. En fait, au niveau de la vie associative, on a un large choix d'associations dans lesquelles on peut s'inscrire en fait dès le début de l'année lorsqu'on rentre à l'ISSEC. On a des associations d'événementiel, on a des associations sportives, on a des associations plus avec une cause humanitaire. On a beaucoup d'associations. Donc ça nous permet, en fait, nous étudiants, de trouver vraiment l'association qui nous correspond et dans laquelle on saura vraiment s'épanouir et trouver vraiment une place importante et dans laquelle on se sentira bien. Alors les cours le jour, mais aussi la fête la nuit, on a Maxim qui nous pose une question justement sur l'activité du BDE. Est-ce que vous avez un BDE actif au sein de l'école ? Totalement. Comme j'ai pu dire, on a un BDE vraiment actif. Ils font tout vraiment pour rendre notre vie étudiante vraiment agréable, fun, avec vraiment une grosse cohésion au sein de l'école et même des écoles, puisque en fait l'ISSEG a un BDE commun avec une autre école du groupe IONIS. Donc là, on vient juste d'avoir les élections du nouveau BDE qui sera le BDE Full Moon. Donc on est tous super impatients de voir ce qu'ils nous ont concocté pour cette nouvelle année. Célia, pour ce témoignage, on espère que votre BDE sera à la hauteur des attentes. On sait qu'elles sont importantes aussi en cette matière. On va maintenant aborder une thématique importante pour vous qui nous regardez. C'est la thématique des admissions avec Aline Ferré, la responsable des admissions, qui va pouvoir répondre à toutes les questions concernant le concours. On sait que vous en avez beaucoup. On a aussi beaucoup de questions de votre part sur les réseaux sociaux. Continuez à en poser. On va dans quelques instants pouvoir y répondre. Aline Ferré, vous êtes avec nous. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Quel est votre rôle au sein de l'ISSEC Bordeaux? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je suis Aline Ferré, je suis responsable des admissions donc, à l'ISSEC Bordeaux. Je vais répondre à toutes vos questions sur les concours d'entrée. Alors, on a également un enjeu qui est assez important, c'est le profil type des étudiants qui pourraient intégrer l'ISSEC Bordeaux. Est-ce que justement il en existe un tout d'abord? Est-ce que vous recherchez un profil type de candidat ou au contraire est-ce que vous êtes ouvert aux candidats qui sont motivés et qui peuvent répondre à vos critères? Alors non, je dirais qu'il n'y a pas de profil type en fait. On a des étudiants qui arrivent d'horizons différents hein, puisque on a aussi bien des filières scientifiques, littéraires, économiques, technologiques, STMG. Bon, maintenant ça a changé, il n'y a plus ces filières types. Mais bon, on a des étudiants qui arrivent de tous horizons. Donc non, pas de profil type. Justement, ça va être intéressant après dans la promo, dans les classes, puisqu'il y aura cette complémentarité aussi entre chacun. Alors, une question importante sur le concours, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concours? Quelles sont les épreuves? Est-ce qu'il est très sélectif, ce concours? Est-ce qu'il faut avoir fait vraiment un parcours dans une filière spécifique pour le réussir? Alors non, puisque le concours est sélectif, bien évidemment. On va, dans un premier temps, regarder le dossier scolaire. D'accord. Puis ensuite, les épreuves écrites, elles vont se passer sur une après-midi avec également en parallèle l'entretien de motivation. Bon. Alors, comment sont organisés justement ce concours et les entretiens dans cette période qui est quand même un petit peu délicate, celle du confinement en ce moment? Ah oui. C'est vrai qu'en ce moment, on a dû revoir le concours d'entrée à l'école. Donc, on reste aujourd'hui sur l'étude du dossier scolaire. Et en parallèle, on organise un entretien de motivation qui sera fait par une personne, par Carmen, donc la directrice de l'école, ou la responsable pédagogique, Stéphanie Duclos. Donc entretien de motivation, je dirais classique, mais où on va vous demander de présenter vraiment voilà, qui vous êtes. Carmen parlait tout à l'heure du changement.
qui vous a amené pour le marketing, l'univers marketing, communication digitale. Donc là, c'est dans l'esprit aujourd'hui de cette problématique qu'on rencontre du confinement. Mais en temps normal, c'est-à-dire à partir de octobre pour la rentrée, donc pas cette rentrée, mais la rentrée prochaine, nous sommes sur les épreuves écrites. Donc dans l'après-midi, en fait, c'est une après-midi où vous avez plusieurs épreuves écrites et un entretien de motivation. Alors Aline Ferré, on va maintenant répondre aux questions qui nous sont posées sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Si vous avez encore des questions de dernière minute, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais pour avoir une réponse de Aline Ferré, donc la responsable des admissions de l'ISSEC Bordeaux. On commence avec Laetitia qui nous demande, est-ce qu'il faut réaliser un book artistique pour candidater ? Alors, c'est bien de venir justement avec, si vous avez déjà une expérience dans la communication, le digital, si vous avez déjà pratiqué logiciel design graphique, vous travaillez dans une association en parallèle, vous êtes impliqué, vous avez déjà réalisé des supports, c'est très bien de venir avec, avec ces supports pour justement nous montrer que vous avez déjà donc des compétences dans ce domaine. Ça, c'est un plus parce que nous, on va rechercher en fait des candidats qui vont être motivés, bien évidemment, mais aussi curieux, avec un esprit aussi créatif. Vous l'aurez compris, ce qui a été dit juste avant, nos étudiants travaillent en équipe, beaucoup, donc ils ont cette envie de travailler en mode projet, et c'est aussi cet esprit créatif. Ouais. Autre question sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Live, est-ce que vous accueillez les étudiants étrangers ? Alors, oui, dans le cadre de la majeure internationale, il va y avoir le concours d'entrée qui va se décliner en anglais. Bien évidemment, toutes les épreuves écrites sont en anglais et l'entretien de motivation seront en anglais également. Donc, on a des étudiants qui arrivent un peu partout dans le monde qui peuvent passer les épreuves à distance, comme on peut le faire aujourd'hui en période de confinement via Skype. Une question qui nous est posée par Camille. Est-ce qu'il a des projets à réaliser au cours du cursus ? Des projets au cours du cursus de... Au cours du cursus de formation, est-ce qu'il y a des projets à rendre ? Alors oui, bien sûr, puisque comme on l'expliquait tout à l'heure, Stéphanie Duclos l'expliquait pendant sa présentation. En effet, le cursus ISSEG se décline en fait, si vous voulez, entre cours théoriques, mais qui sont appliqués toujours à la pédagogie active. Et donc, il s'est rythmé toujours par des projets tout au long de l'année avec de vraies entreprises, avec des entreprises partenaires. Donc oui, ils vont avoir des travaux à présenter, des présentations à l'oral, et puis même des présentations devant des jurys de professionnels tout au long de l'année, oui, tout à fait, dans le cadre de plusieurs challenges. Une question de Raphaël qui nous est posée concernant le pourcentage de réussite dans cette formation. Est-ce que vous avez cette donnée sur le pourcentage de réussite dans le cursus ? Alors, après Bac plus 5, la question était justement à la sortie du diplôme, oui, du titre. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on est aujourd'hui, nous, si vous voulez, autour de à peu près 90% de nos étudiants qui sont diplômés, qui sont embauchés, en moins de 6 mois. Donc ça, c'est très important. De toute façon, aujourd'hui, pour délivrer une certification professionnelle, comme on le délivre nous aujourd'hui, donc un titre RNCP, on doit justifier de toute façon de 80% d'employabilité à la sortie. Donc aujourd'hui, nos étudiants vont à la fin de leur parcours et sont embauchés assez rapidement, en effet. Et voilà. Une question de Camille Olivier. Peut-on faire de l'alternance au sein de l'ISSEC Bordeaux ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui va dans la continuité aussi, justement, et dans cet esprit, dans l'ADN de l'école, c'est-à-dire la professionnalisation, l'alternance va être proposée à partir du master, des MBA, à partir donc de la 4e année, où ils vont pouvoir suivre un cursus alterné, voilà, et entrer en contrat de professionnalisation s'ils le souhaitent. Alors, une autre question qui nous est posée par Andrea. Est-ce qu'un job étudiant est compatible avec les premières années d'études ? Oui. Dès la première année, certains de nos étudiants travaillent, ont des petits jobs étudiants. Alors, ça demande bien évidemment de l'organisation, de la rigueur, mais ils peuvent tout à fait travailler à côté. On a des partenariats, de toute façon, avec certaines entreprises, type Auchan, Decathlon. Ils peuvent les rencontrer, notamment tout à l'heure, Carmen parlait du CAP Meeting. Les entreprises viennent à l'école pour proposer également des stages.
des jobs étudiants, en parallèle des stages et des contrats. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un étudiant qui souhaiterait intégrer le campus de l'ISSEC Bordeaux ? Alors, le conseil, moi je dirais, restez vous-même, soyez vous-même. On cherche avant tout des étudiants candidats motivés, qui vont faire montrer leur curiosité, leur valeur, qui ils sont et leur cheminement, comment ils sont arrivés justement à cette envie de suivre une formation dans le marketing, la communication ou le digital. Pourquoi cet univers ? C'est vraiment nous transmettre leurs valeurs, qui ils sont. Donc le conseil c'est soyez vous-même et puis si vous avez une petite touche créative c'est encore mieux, bien montrer que vous aimez travailler en équipe, que vous êtes sur cette dans cet esprit-là. Merci beaucoup Aline Ferré pour tout ce témoignage concernant les admissions, concernant les modalités d'admission et ce concours donc d'entrée si vous souhaitez intégrer l'ISSEG Bordeaux. C'est quant à nous l'heure de se quitter. N'hésitez pas à aller retrouver toutes les informations sur le site internet de l'école sur isseg.fr pour le campus de Bordeaux et également sur les réseaux sociaux de l'école de l'ISSEG Bordeaux. Si vous souhaitez revoir ce live, il va être disponible d'ici quelques instants. Bonne fin de journée à tous. Dans ISSEG, il y a digital. Dans ISSEG, il y a marketing. Dans ISSEG, il y a communication. ISSEG, la grande école du digital, du marketing et de la communication.